Il y a Bisso Télévision. Des conférences à jeunesse, ils ont raté. Où les jeunes, ou les premiers ministres, ou ministre à la jeunesse, ou ministre à la famille, organiser conférence de jeunesse pour apprendre à la jeunesse congolaise comment se débrouiller, apprendre à la jeunesse congolaise comment se comporter pour éviter les délinquances, pour organiser des conférences, des jeux concours et puis donner des cadeaux, encourager ceux qui sont intelligents. Je vous dis qu'il y a des sans-abri qui sont très intelligents. Il y a des sans-abri qui sont très sages. Il y a des ingénieurs au hasard, des sans-abri au hasard, dont na katina et puis na don y architecture. Ici, vous allez voir, il y a des petits enfants, des enfants pauvres qui ont du talent, musique, dessin, art, n'importe quel art, tout art confondu. Un enfant qui fabrique des maquettes en papier, afin de kawana zuba quoi, à fabriquer bah fufu manini, il fabrique des maquettes, il fabrique des voitures avec des enduits, avec des histoires qu'il ramasse à la poubelle. Vous prenez pas le temps de soutenir. Or, les enfants pareils, ils ont vous cherchez des enfants pareils, vous les encadrez. Le au monde, la société, moi, je ne sais encadrer moi dans la moi maquette moi il y a un ingénieur amené dans le vous passez moi formation moi adéquate et puis à s'améliorer à fandi et bim ça entreprise mon nez dans le et puis l'économie en mort est refanda mais vous prenez le temps à mambo zangatina. Il y a Bisso Télévision. Plus de 16 000 détenus. Les gens basent couffent à couna du jour au lendemain à étouffement. Vous ne trouvez pas la solution sur ça. Mais vous voulez seulement que les innocents dans là et puis vous qui ne couvrez pas la prison macar. Vous voulez assassiner la population ou quoi? Aujourd'hui c'est toujours hier bateau. Nous voulons comprendre. Vous voulez nous assassiner ou quoi? Mais mettez des obicards pou et bombarder de partout et puis tout le monde va mourir. Il y a Bisso Télévision. Et si couyo et comme donc juste une Moutoualati pantalon, c'est pas une jean trouée, c'est juste une fantaisie. Quand ça n'est moi netien, moi dessin, moi y a ni ni y'a kata fumba. Oh, quand même. Soyons quand même sérieux. Vous-même, ma vraie coulou en cravate, ma vraie coulou, je marche pas mes mots, mais ma coulou en cravate, le coulou en costume. Des vrais couloirs, des vrais criminels, ce sont nos dirigeants. Des vrais. Il y a piraterie, des vrais couloirs, vraiment. Yabisso Télévision. Bonjour, chers abonnés de la chaîne Yabisso Télévision. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement à la chaîne Yabisso Télévision. Et c'est bel et bien mon nom, ma cache, la perle noire de la presse congolaise. Et chers abonnés, fidèles internautes de la chaîne Yabisso Télévision. Nous sommes des Congolais. Congolais que je suis, les réalités de mon pays font mal au cœur. Pour nous, dans notre pays, liberté à presse est à la ratée. Vous pouvez faire vos investigations au sale. Il y a certaines choses que vous n'avez pas droit à Kolobango. Pourtant, c'est la vérité. D'abord, on a mis sur vérité, vérité, il faut le faire à l'écoute. Il faut le faire à l'écoute. Il faut le faire à l'écoute pour être à l'aise. Parce qu'il y a des certains vertus, ceux qui ont lobby en haut, tu mets ta vie en danger. Et pourtant, tu as un mot qui a mis sur mon coup. Tous ceux qui sont en haut, ils ont un mot qui est en haut. Avant, ils étaient un peu moins. Et puis, on remarque que non, au bas, ils ont le pouvoir, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de ressentir tout ce qui bon leur semble, sans pour autant tenir compte que ça peut déranger aussi d'autres personnes. Le régime actuel dans la présidence, comment vous expliquer, comment vous pouvez, donc on n'arrive pas à comprendre, toujours qu'on va comprendre en côté. Ce qu'il faut faire, bon, ça là en côté. Mais ce qui n'est pas important, ou est nécessaire, donc vous vous basez, vos petites importances, vos petits privilèges, dans mon est moins important dans des choses qui sont moins utiles. Donc, on a juste eu l'audace et le courage de dire tout haut, tout ce que tout le monde dit tout bas. Donc, on doit dire. Tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Au bas, parce qu'on va mettre, ils vont mettre leur vie en danger. Comment expliquer? Regardez un peu cette vidéo. Les débits à travaux Oyo, il fallait qu'ils aient depuis 2023 ou 2022. Depuis 2023, les travaux et salement
2022 plutôt, les travaux et ça les maté. Misala et ça les maté. Jusqu'au moment tu vas dirais il y a travaux autant de mois. Et puis on a des boursiers ma femme a son musala wana et ça les maté, ce qu'on a les maté. Regardez jusqu'à présent, si les lots oyo tous en mai 2024. Ndela o ezaka na ba condition boye. Ndela o ezaka ka boye poto poto. Maintenant dites-nous. Ba mituka o ekenda o elongwa ekenda ba voyage kunera na mama sangu ba biloko bani parce que ina kisha ça o y a pas la pêche l'élevage est raté. Agriculture pays a malonga té. Souvent e uta kana ba intérieur ya pays ya mboka. Maintenant ceux qui ba ndela ezaté. Comment est-ce que ba biloko na ba kolongo na kuna po e a pona e faire nourrir population basan na Kinshasa. Nous bisomongo na ba kontozo bomani. Maintenant les gens wana o ba bimisi mbongo wana, ils n'ont pas fait les travaux mais mbongo wana e bima ba lia yango. Vous prenez pas le temps pour poursuivre bango. Tant que vous poursuivez Bango Ezate, tant que vous avez la dossier à la lettre Ezate. Mais vous prenez le temps et vous concentrez toutes vos énergies dans des futilités où il y a Portaka et l'autre côté. Si vous bomoni les jeunes garçons Bundi Nandela, là vous envoyez la police unité à Panthère, soit vous avez jeunes garçons Batazo Tamboulane vers 22h, vers 21h30, vers 23h parfois. Il y a des difficultés de transport dans notre pays qui ne permet pas aux gens, il y a que ça. Ma déplacement le bango calmement qui ne permet pas na ba jeune bazo ngaranda ko avant 20h30 avant 20h30 avant 21h wana no sa bote na konse na ngote ki ba ndela ezia mabe transport ezia tellement difficile et c'est pas tout le monde qui a l'argent ko louer les moto taxi qui a l'argent ko futa ba 4000 francs ba petit trajet ba ni tout le monde c'est pas tout le monde qui a cet argent là certaines ba sala ma kolo pour arriver à la maison et puis et le yango ne permet pas bango et puis ça bango difficulté ko manda ko avant bazo ko manda ko na retard. Et une fois arrivé dans ndako na reta a croisé ba panthère na bino na nzela ba kangi bango soit na sous prétexte il y a délinquant sous prétexte il y a buzo ba ba avance kawana et puis papa 2-3 jours il se retrouve na makala. Il se retrouve dans ma cas. Mais des vrais crimes, les gens qui commettent des délits, des vrais gens qui commettent des crimes, les vrais qui commettent des abus de confiance, vous tenez pas compte na bango. Bonsoir bangote. Comment expliquer? Je me demande, je me pose la question, on se pose la question, c'est pas seulement moi, les gens se posent la question. En quoi est-ce que tatouage et que nuire l'évolution en boka? Tatouage. Une personne se dit, il veut se faire plaisir. A tatouer ceux qui comme maman la bangona nzoto, a tatouer comme moi si naye, a tatouer comme bal naye, a beta fleur naye, peu importe. Ce qu'il peut avoir comme tatouage, en quoi est-ce que ça a dérangé le gouvernement actuel et évolué? En quoi est-ce que les tatouages pour donner l'ordre que quand on a un tatouage, on a un luxe, on a se coiffer bien, maman, papa, nos supérieurs, nos dirigeants, en quoi est-ce que le tatouage, ton luxe, ils ont dérangé pour faire évoluer un boka? En quoi est-ce? Donc, certaines choses, on doit les dire. On doit les dire. Tout haut, parce que c'est tout le monde qui le dit tout bas. En quoi est-ce que l'os dans mon tout, ma tête, je décide de me coiffer ainsi. Et dérangeons les gens. Quand vous mettez les teintes dans votre coiffe, vous allez me couper les teintes. Qui vous pointe des doigts? Personne ne vous pointe des doigts. Maintenant, vous donnez l'ordre, quand mon tout a un tatouage, quand mon tout a un coiffé, quand un jeune garçon a un sou qui est belé, en quoi est-ce que sou qui n'a eu un ezo qui bébé ça, évolution en bokao? Vous pensez que les gens ont un tatouage, ce sont tête de Koulouna? Vous pensez vraiment que mon tout a un tatouage, c'est lui qui est Koulouna? Même pas. Vous-même, vous avez des Koulouna en cravate. Les gens qui commanditent des petits Koulouna, vous avez sur le terrain, là. Ce sont vos nains, vos collègues, c'est vous qui les commanditez. C'est vous qui les commanditez en distance. Non, les veuves Koulouna, c'est vous. Parce qu'au moment où vous les commanditez, là, ce qui a le moins derrière, c'est lui-même qui vous éliminez. C'est vous les vrais Koulouna. Vous êtes des vrais Koulouna. Et puis, les semblants, les mascarades à Nîmes, vous avez ça, la bise au moins, mascarades à Nîmes, ça. Et puis, en plus, on arrête les gens en désordre, s'il vous plaît, en désordre. Pourquoi? Dans notre pays, dans notre pays, on ne peut pas vivre à l'aise. On doit aller rester, on doit aller s'engoter. Si une personne décide de se tatouer, c'est un crime. Et ben non, on est comme un crime. Mais mettez ça dans la constitution, toi, il y a déjà qu'on a beau temps, mais il y a beau temps. Au Congo, il y a une loi où ils ont déclaré qu'un Congolais ne peut pas porter un tatouage. Bon, ça va. On a un amour, toi, il y a un amour, il est strictement interdit de porter un tatouage. Juste là, au fond de là où l'amour qui n'a arrêté tout le monde qui a des tatouages. C'est quoi ça? Oh! Il y a un nini.
Et ça, c'est au là où Marie dit à ma soeur, les faire à diamant, les faire à droite, elle m'a dit qu'on n'y s'en moutou, c'est les petits peuples qui subissent. C'est quoi? On ne peut pas être dans mon cannabis. Dites-moi, les dollars, les solutions à dollars. Bonjour, je vous donne une solution à dollars. En quoi est-ce que tatouage en jour, toi, moutou, et au pénal, et au péquis à dollars, et à la stable. Dollars, l'autre jour, on a dit dans les 300. 10 dollars qui va coûter 30 000 francs. Dollars, on a dit dans les 300. Et pourtant, à l'époque où on parlait des matins, le dollar, tu trouvais pas dollars en 92. 92. En 92. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, pour 200, 250. Tu as l'équipe de 250, tu as commis 260, 270, 275, 280. Si tu as commis en décembre, tu as commis en 300. Finalement, tu as commis en 300. Et qui t'a raté, il m'a ta caca. Il m'a ta caca. Donc, tout ce qui s'est fait dans le bon cas, le dollar, il m'a ta caca. Et qui t'a raté. Solution, pour toi, c'est la mine. Jusqu'à là, tu as le monde à ta solution, il est mort. Tu as le monde à ta changement, il est mort. Mais vous continuez à étouffer, mais vous continuez à étouffer. Vous avez besoin de vous, mais vous avez besoin de vous. C'est quoi? Parce que quand vous arrêtez les gens, en plus, arrestation, vous voyez que vous avez les candidats, vous brutalisez les gens. Vous coffrez, vous voyez même les sardines, vous coffrez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, il y a certains qui souffrent de l'asthme. Vous voyez, vous voyez, quand vous le mettez là, il est étouffé, il peut mourir. Non, nous sommes ici dans la prison Makala, dans la prison centrale Makala, plus de 16 000. L'espace où il y a qui contient 1500 personnes. Aujourd'hui, la prison contient plus de 16 000 détenus. Plus de 16 000 détenus. Les gens sont couffés du jour au lendemain dans l'étouffement. Vous ne trouvez pas la solution sur ça. Mais vous voulez seulement que les innocents dans là et puis vous étouffez dans la prison Makala. Vous voulez assassiner la population ou quoi? Aujourd'hui, c'est toujours un bateau. Nous voulons comprendre. Vous voulez nous assassiner ou quoi? Mais mettez des obicards pour et bombarder de partout et puis tout le monde va mourir. Et puis tout le monde va mourir. Comme ça, vous allez rester. Non, aussi, vous allez diriger. Ben, non, je ne sais pas si vos sujets sont là-bas. Non, ma belle famille est là ou quoi. Non, 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 non. On est quand même des Congolais. Vous ne pouvez pas nous faire souffrir comme si c'était des étrangers. Même à l'époque belge, là où quand il y avait la colonisation, tout ça qui souffre, c'est un niveau haut. C'est quoi les problèmes? C'est quoi? Pour nous, les Congolais, nous devons être Congolais. Tant que nous sommes Congolais, nous aussi, nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais, nous sommes Congolais. Pourquoi? Mais ça, c'est tuer les gens. Vous nous tuez? Parce qu'un enfant, maman, moi, j'ai dit que moi, j'ai eu l'asthme. Moi, j'ai eu l'asthme, puis le lendemain, moi, et comme j'ai eu l'asthme, moi, j'ai eu l'asthme, j'ai eu l'enlevé, et puis j'ai eu le coffret dans la prison, j'ai eu l'asthme, sans possibilité d'avoir un appel à Robin dans la famille, sans possibilité d'informer à la famille, et puis il est parti là-bas. Moi, j'ai eu un arrêt cardiaque ou quoi. Et puis lui, là où vous l'amenez, j'ai eu l'étouffement, pour tout astifier ou quoi. C'est pour qu'il meure que vous faites ça. Vous portez le... Tout le monde qui a un tatouage, tout le monde a un teinture. Maman, dites-moi, en quoi est-ce que teinture Yasuki, teinture Yasuki nanga, si je mets des cheveux en couleur sur ma tête, en quoi est-ce que ils ont dérangé fonctionnalité en Mboka? Ça dérange quoi dans le pays Oyo? Ça dérange quoi? La paix en Mboka? Ça dérange quoi? Et qu'est-ce qui vous fait dire que non? Ce sont des gens qui sont mal, qui sont, je sais pas, qui ont des coiffures coloriées, ce sont des brigands. Les gens qui ont des coiffures colorées sont des brigands. Non, au contraire, c'est vous, les gens qui vous dites que non. Les gens qui s'habillent soit classe, les classes là, ce sont vous les vrais malfaiteurs. Les vrais coulounas. Les coulounas en cravate, les coulounas en costume, c'est vous. Mais on est pas vrai coulounas. Et les semblants nini, bon, on a un petit peuple mal à l'aise. Les semblants nini. Maman, tatoué, j'ai un doute en mouton. Quoi est-ce que ça vous dérange? Hey papa, ça vous dérange quoi? Mais les tatouages, laissez chaque parent à s'occuper de maman. Il y a un tatouage à balan. En quoi est-ce que ça vous dérange? Si on vérifie vraiment tous vos corps, là, ils n'ont pas de tatouage. Donc vérifiez. Vous n'avez pas de tatouage. Les semblants vous salarona, si vous voulez passer à la télé, là, après ça vous mettez une chemise et puis ça cache une âme. Vos épaules, ça cache vos poitrines, ça cache vos couilles là. Vous n'avez pas de tatouages. Vos enfants n'ont pas de tatouages. Vos femmes, vos maris n'ont pas de tatouages. C'est quoi? Au juste, c'est quoi? Vous dépensez l'argent à petit peuple. Non seulement vous bouffez
vous bouffez les salaires de nos parents et puis vous voulez surtout nous arracher la vie pour nous. Nous n'avons pas de population congolaise sale aux autorités. Nous n'avons pas de population congolaise sale aux autorités. Et pire encore, il y a un détenu à la prison centrale de Ndolo qui est le second, le numéro 2. Qui dirige le numéro 2, deuxième personnalité, il y a Nini, Bazo commandé M23. Il était confiné dans la prison centrale, dans la prison militaire à Ndolo. Depuis l'ancien régime. Et dans le régime actuel, il a été libéré. Pourquoi? Il était condamné à perpétuité. Aza libéré pour Nani. Pour Azo Ngakuna, qui doit continuer, Nini Naye dans M23, pour tuer les Congolais. Tout ça est à l'immunité. Tout ça, vous faites pire. Quand vous avez pris le temps de signer ce qui a bima, ce qui est la grâce présidentielle, ce qui a bima, nini, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Abima, wana. C'était bon. Il n'y avait pas de problème. Ils avaient une question de délinquance. Mais les tatouages, c'est seulement les tatouages qui vous dérangent. Tatouage, c'est un jour. En quoi est-ce que ça te dérange? En quoi est-ce que ça te nuit? Un tatouage, est-ce que le tatouage est un robot? Il est un robot. Le criminel n'a pas besoin d'un tatouage pour qu'il ne kobo mamoutou. Il n'a pas besoin d'un tatouage. Il n'a pas besoin d'avoir un tatouage. Il n'a pas besoin d'avoir les cheveux ceux qui crépillent, les cheveux ceux qui rêvent pour qu'il ne ressemble tout ma bien. Non, il n'a pas besoin de ça. Les soldats qu'on a libérés en Ndolo, il a la crâne rasée. La crâne rasée. Il a vraiment la crâne rasée. Kovo mukokoli. Mukokoli. Mais il tue les gens sans froid. Quand il croise les Congolais à l'est là-bas, il tue les gens sans froid. Donc là, ça ne vous dérange pas. Au lieu de vous soucier, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le bien-être de la population, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être des Congolais, mais vous cherchez toujours à mettre des Congolais mal à l'aise. Vous cherchez toujours à mettre des Congolais mal à l'aise. Pour qu'il y ait des gens qui m'ont dit qu'il a bien ou quoi. Les tatouages, un tatouage, ça dérange en quoi? C'est dans ma peau. Tatouage, je suis là. Tatouage, on a dessiné mon nous qui est dans le monde. Et on a été pour bimé qui est dans mon maman. Et ça ne va pas faire ça. Si je tente mes cheveux, la couleur de mes cheveux, ça ne va rien. Ça va pas nuire la vie d'une personne. Ça ne va pas tuer quelqu'un. Et quand même, c'est économie en bocaté. Et même c'est économie en bocaté. Demandez plutôt à la jeunesse de s'habiller décemment. Ce n'est pas l'effet Yarokinomoni Moutala, tu m'as coupé les pantalons troués, les pantalons déchirés. Ce n'est pas les Congolais qui ont fabriqué ça. Et ça, lui qui m'a fabriqué, c'est lui qui m'a fabriqué, c'est lui qui est actuel à la mode. C'est partout dans le monde que ça se porte. Partout dans le monde. Déclarer plutôt que dire, donnez-nous une loi au Yébi Kano. Au Congo, on ne porte pas les jeans Katafumboa. S'il y a une loi et puis les gens auront le temps d'observer. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, tu viens aujourd'hui, tu dis que non, quand il y a un tatouage, ou un teinture, un lox, ou un pantalon, un catafumba, tu dis ça le soir et puis le matin on arrête tout le monde. Maman, au sommet là-bas, bilamba. Vous, au sommet là-bas, bilamba, pour exiger les gens de porter patati, de porter. Ce n'est pas dans une conférence de presse. Toujours qu'il y a une conférence de Berlin, ce n'est pas un entretien d'embauche. Vous t'affrontez, vous n'avez pas un bango. Il veut s'habiller à Zanaïm ou Pépé. Et puis vous déclarez qu'il n'y a pas de bâton. Mais nous sommes là-bas de Bilamba. Nous sommes là-bas de Bilamba. Si peut-être les gens s'habillent à moitié, ni peut-être à moitié. Maman, papa, les gens qui s'habillent là, tu calais soit Pamba, na bikini, tout au long de la boulevard, tu es bien à la fin. Bazar, on a mis canard, il y a prostitution. Il n'y a pas une loi où on a beaucoup. Si une personne veut se prostituer, il faut enregistrer dans la commune, soit tenir. Il n'y en a pas. Ils ont raté. Chacun se prostitue comme il veut. Alala, là, qui aujourd'hui, dans la commune, pitié, je vais me prostituer, je mets des tenues légères, je mets des nuits. Puis, il vit sa vie comme il veut. Et si, kouyo, et comme il donne, juste un. Moutoala, petit pantalon, et c'est pas une jean trouée, c'est juste une fantaisie. Quand ça n'est moi, n'est-ce moi, d'essai, moi, y'a ni, y'a katafouba. Oh, quand même. Soyons quand même sérieux. Vous-même, ma vraie coulou en cravate, ma vraie coulou, je ne mange pas mes mots, mais ma coulou en cravate. Coulou en costume. Des vrais couloirs, des vrais criminels, ce sont nos dirigeants. Des vrais. Il y a piraterie, des vrais couloirs, vraiment.
Ce sont nos dirigeants. Et pourquoi vous voulez ruiner la vie du peuple congolais? Pourquoi vous voulez nous étouffer jusqu'à ce point? Pour la Nico Bomba, vous êtes à niveau haut. Attends, la population en haut. Vous êtes là, vous gouvernez comme bon vous semble. On est là, on fait que subir. On subit. Et coquitter, tout subir et coquitter. Comme ce qu'on a enfoncé, qu'on l'a, la vie se tue dans nos demeures. Ils ont nini. Oh, nous, les petits peuples, on a fait aux dirigeants congolais. Ils ont nini. Tchin-tchin. Oh. Mais ça ne se fait pas. Des conférences à jeunesse, ils ont raté. Nambokao. Où les jeunes, où les premiers ministres, au ministre de la jeunesse, au ministre de la famille, organiser une conférence de jeunesse pour apprendre à la jeunesse congolaise comment se débrouiller, apprendre à la jeunesse congolaise comment se comporter pour éviter les délinquances, pour organiser des conférences, des jeux concours et puis donner des cadeaux, encourager ceux qui sont intelligents. Je vous dis qu'il y a des sans-abri qui sont très intelligents. Il y a des sans-abri qui sont très sages. Il y a des ingénieurs des sans-abri au hasard dont na katina et na ana don ya architecture. Ici vous allez voir, il y a des petits enfants, des enfants pauvres qui ont du talent. Musique, dessin, art, n'importe quel art, tout art confondu. Un enfant qui fabrique des maquettes en papier afin de kawana juba colle à fabriquer ba fufu manini, il fabrique des maquettes, il fabrique des voitures avec des enduits, avec des histoires qu'il ramasse à la poubelle. Vous prenez pas le temps de soutenir. Or les enfants pareils ba la moro na place pour tinda ba kangaka ba to ba lors, vous cherchez des enfants pareils, vous les encadrez. Lobby au monde, la société moi amener ne bota na mboka ou. On encadre moi nana ça moi ma maquette moi nana, il y a un ingénieur amené dans le vous passez moi formation moi adéquate et puis à s'améliorer à fandi et bim ça entreprise mené dans le et puis l'économie en mort refanda, l'économie en mort refanda. Mais vous prenez le temps na mambo zangatina, les gens qu'il faut soutenir, vous ne les soutenez pas. Au contraire, vous les enfoncez. Oh, on t'arrête, il faut avoir les cartes d'artiste. Ceux qui ont une carte d'artiste, c'est la carte des artistes, vous donnez ça où? Et puis ça m'a dit, dans le ministère, on va appeler ça ma carte. C'est dans quel ministère? Ou c'est juste les gens qui ont de l'argent qui partent se fabriquer à qui au sommet des cartes? Dans le ministère, on va appeler ça ma carte d'artiste, on va appeler ça ma carte d'élève, on va appeler ça ma carte d'élève. Vous venez que non, je pratique, non, je suis un acteur comédien et puis je viens ou remplir ma formulaire et puis on te donne la carte. Les artistes peintres, un artiste peintre, qui va avoir la carte d'artiste, il va se procurer carte en argent web. Le ministère Nini, expliquez-nous parce qu'il y a des choses qui se passent ailleurs. Nous voulons tout ça n'est moi semblant pour vouloir copier les Occidentaux, les Européens. Or, les Arabes semblent tout ça on ne copie pas. Les artistes c'est pareil. Bon, que nous sommes ma carte, ils vont partir prendre ça où? Qui va contredire la coiffure de l'Okwakwanza? Il ne se rase pas. Comme vous le faites, vous cattirez ceux qui rasent, ceux qui peignent, ceux qui. Mais il est sérieux, il est calme, il ne fait pas de bêtises en cours de route. À ça la couloune à terre. Mais laisse la personne se coiffer comme bon lui semble. C'est quoi? Donc, juste le simple fait que quelqu'un a collé. Non, pas seulement à ça, il a décidé d'avoir le cheveu un peu plus long, ça vous dérange. Ça vous dérange. Juste dans ce pays, tous les gens qui ont été en train de se faire sous le canon, ils sont là. Dans notre propre pays, ils ont commis mal à l'aise plus que les étrangers. Les étrangers, même, ils sont plus à l'aise, plus calme que nous, les Congolais. Nos dirigeants, vous voulez nous tuer, Tonito, sors les gens. Sors les gens pour nous abîmer les petits peuples. En tout cas, on en a marre. Si on a eu le courage de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas, parce qu'on en a marre. Tellement mal à l'aise. Toza très mal à l'aise. Nos dirigeants, vous nous maltraitez à tel point que toza aura souci pour vivre. Vous nous étouffez. Nos coiffures et empêchera bien de vous bon s'embocater.
nos tatouages ne vous empêchent pas de bien faire. Oh, ils ont c'est oh il faut beau ça là, beau qui pas monter, beau se pencher vers coiffure, accoutrement, la mise et puis les portes de nos tatouages, c'est pas cela n'est pas important. Vous pouvez pas interdire à une personne d'entrer na quatre ya nina académique parce que à la tini papa. Et ce qui a ça en acquitté, beau son mais la bat mais la maté, beau son mais la bat ma papa té bas sabaté. Quand vous interdisez à une personne ya roulat à ni papa té, ya roulat à boité, son mais la yé, beau son mais la bat touté. Vous êtes là pour vous faites les salaires de nos parents, vous nous imposez des histoires. Oh, nani, les petits frais que nous avons ne nous permettent pas. Les petits moments toujours gagnants, là, ça nous permet de payer les frais académiques, les puis les transports ainsi que les TP. Maintenant, quand vous m'obligez, nala ta soulier, nala ta chaussure, pendant y'en a au classe, nala ta kietchité, comme si vous sommes là à battre, mettez ça à disposition, il y a esthétique, comme ça, les étudiants, maintenant, la personne qui n'en a pas, azané n'en a pas, n'en a pas, n'en a pas, vous voulez pas. Avenir en mots quand on est à Wap, l'avenir y a mots qu'est-ce que la jeunesse. Maintenant la jeunesse au niveau besoin bon ma. Pour tout ça on a biso et à la nini. Pour tout ça on a besoin et à la nini. En tout cas nos dirigeants s'il vous plaît, je vous en supplie na bonne ni bien na bonne wanzambe. Si vous vraiment vous aimez ce pays, si vraiment vous aimez vos sujets, s'il vous plaît, revoir un peu. Essayez un peu de revoir vos priorités. Quelles sont vos priorités? Les tatouages, ils ont priorité. Les cheveux en couleur, ils ont priorité. Les pantalons katafumba, ils ont priorité. Vos priorités, ils ont la vision non sociale. Hein? Tolère à bien. Bon, c'est la vision économique en boca, ils ont la stable. C'est pas les tatouages. Si vous avez un tatouage, vous avez un comme ça, économie en boca stable. S'il vous plaît, essayez de revoir vos priorités. Il se retrouve dans la victoire, il n'a que 5 000 francs. 5 000 francs, il a déjà besoin de la Bible, 7 000 francs. Lui, il n'a que 5 000. Il va faire quoi? Babel déjà Pascal 3 000. Il arrive à Pascal pour descendre là-bas, c'est aussi 3 000 francs. Il a 5 000 francs. Il va faire quoi? Non, il sera obligé de prolonger à combien de temps il va. Puis combien de temps il va, ça va lui permettre, il y a un commandant. Pas avant 21 ans. Encore au-delà de 21 ans. Maintenant, quand vous le voyez, moi, 21 ans, on dit là, oh, délicat, oh, fiotta, vous l'arrêtez. Finalement, les gens cherchent à se battre, à l'ouvrir, ne fût-ce qu'un petit rien pour faire nourrir la famille, pour ne fût-ce qu'aïe, battre, ça n'était même. Vous poussez les gens, comme à délicat. Vous poussez vraiment la jeunesse, comme à coulouna. Par vos faits, non, vos réactions, vos faits, vos gestes. Vous les poussez à Rome à Bakuluna. Pourquoi? Oh, vous devez être exemplaire, vous devez être censé de nous pousser, de faire du bien, mais vous nous poussez dans ma bé. Vous nous poussez vraiment dans ma bé. Et moi, ce fut un plaisir pour moi de présenter pour vous cette émission. Je dis tout haut, tout ce que tout le monde pense tout bas. Ce que tout le monde dit tout bas, je l'ai dit tout haut. Et je vous retrouve à la prochaine, nos dirigeants. Bye. Yabiso Télévision.